Et bien sûr tout le monde, c'est Cédric aujourd'hui pour le deuxième épisode de la sortie de Lost Legacy. On s'est tardé pile à voir arriver sur le chapitre 3, retour en arrière devant cette belle vue, à la recherche du temple de Ganesh, pour voir juste au fond, et on va rejoindre Nadine avec le 4x4. C'est parti. Oh putain, c'est gavez-vous par contre, c'est putain de joli. Il arrive. Je vais bien en fait, hein. Oula. Ok. 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 Alors, les cordes comme dans une sortie de quête. Oula, attention. Yep. T'es toujours là-dessus? Ok. Ouais. Ouais. Toujours là. Ok. Je voulais juste en être sûr. Ok. Tiens, donne-moi ta main. Il arrive. Hop. Je m'en sors, t'inquiète. Ah d'accord. Ok. Tu veux que je conduise? Non. Ça me dérange pas. Moi si. J'aime bien avoir le contrôle. C'est d'accord. Clair. Allez. Et si on profitait un peu de ce havre de paix? J'ai une question bête. Une prochaine fois. Comment tu sais que la défense est toujours là? Elle se serait retrouvée dans un musée depuis le temps, non? En plus, j'ai vu aucune expo sur les Hoysala. J'avais jamais entendu parler des Hoysala avant ce boulot. En fait, c'est la faute de leur dernier roi. Un type jeune et insouciant qui a dilapidé les richesses de son empire. Il a bâti une nouvelle capitale pour abriter la défense. Ensuite, il a mené les Perses aux portes de la ville. Et aujourd'hui, nous. Et aujourd'hui, nous. C'est trop bien. Bon, là, mon ultime référence par rapport à GS4 à Madagascar. Hey, oh, regarde flamant ça, rose. Une réunion de flamant rose. Trop bien. Et hop. Oh, l'arc-en-ciel, trop stylé. Alors, ça fait du bien de sortir un peu, non? Loin de la ville. C'est plus calme. Tu reviens souvent ici? Non, pas vraiment. Ok, je sais pas par là, c'est pas ici. Attention, temps, ralentis! Regarde un peu ça. Des ruines, ça. On peut passer cette porte? Je vais aller voir. Juste avant. Je vais juste aller voir là. Voir s'il n'y a pas de trésor. On ne sait jamais. Ah. Ce mur a l'air fragile. Ouais, il y a un trésor juste derrière. Faut pas grimper. Ok. Est-ce que la voiture qui ressemble fortement à cette Suicide 4, est-ce qu'elle a un treuil? Mais oui, elle a un treuil. Cool. L'ancienne capitale. Qu'est-ce qu'on a? Allez, Bidou et Bélour. Je croyais que c'était Ganesh et Shiva. Hmm, bah, je vois que tu m'écoutes. Ganesh était le gardien d'Allez, Bidou, la toute nouvelle capitale d'Oysala. Shiva était le gardien de Bélour, l'ancienne capitale. Ces sculptures sont bien jolies, mais pas vraiment une défense efficace. Le quartier des sculpteurs, je dirais plutôt. On est encore à la périphérie. Je savais pas que t'étais archéologue. L'archéologue, c'était plutôt mon père. Je suis qu'une voleuse, tu te rappelles? Hé, y a pas un treuil sur la voiture? On dirait bien. Super, ça devrait suffire pour cette porte. T'as l'intention de l'arracher? Exactement. Quoi, t'as de la dynamite? C'est toi l'experte. Je prends ça pour un nom. Et juste avant d'utiliser ce truc là, est-ce qu'on peut l'utiliser là-bas? On peut pas grimper. Mince, comment on fait alors?
Ah, il me faut peut-être l'explosif, peut-être, je sais pas. Ou alors comment je peux y aller, je peux y aller. Bon, on va défoncer la porte avant. Bon, ça devrait faire l'affaire. C'est une embuscade. Merde. Oh merde. Merci pour l'info. Ah, enfin de la gunfight. Tu vas quelque part. J'y arrive ma poule. Réserve un petit coup de main. Ah d'accord, elle l'a étranglé. Elle l'a étranglé, d'accord. Petit coup de main, ce sera pour la prochaine fois. Dites-moi mes amis, avez-vous des grenades sur vous? Ah, merci bien mon ami. Ça va faire boum. Ah là. Ouais, ça va. Impeccable. Et en fait, j'ai trouvé la défense de Ganesh. Jarao Arn en argent. Ok. Ok. Où on en était? J'étais sur le point d'abaisser une vieille porte. Hey, c'est bon. Et voilà le travail. Voilà. Wow. T'es bien silencieuse. Je suis juste surprise, c'est tout. J'aurais imaginé du genre plus discrète en matière de ruines indiennes. Dans ce genre de métier, sensiblerie. Hop, oula. C'est magnifique. Oh, une chauve-souris. Quoi? C'est juste de gros rongeurs volants? Techniquement, pas vraiment. Ouais, c'est ça. Elles sont plus proches des primates et des lémuriens. Ok, je vérifierai. Voilà, c'est une impasse, donc du coup on va faire un petit rond-point là. Et on va aller vers où ça glisse. Et allez, 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 allez! Eh merde, bon. On va prendre un peu plus d'accélération alors. Allez, allez! J'ai rendez-vous moi! Bon, ok. Voilà. Et voilà le travail. Fallait rouler sur la roche. Hop. Allez, allez, c'est bon. Je suis passé. Ok. Arrête. Ah, ça va. Ah. T'as de bons yeux. Merde. Il a tout un bataillon avec lui. Oulo. Et il y en a peut-être encore à l'intérieur. Je trouve ça flatteur qu'ils nous prennent tant au sérieux. Il faut qu'on passe cette porte. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord qu'on s'occupe de tous ces cœurs. T'as un plan? Ouais. Bien sûr. On va se cacher ici. Le tout pour le tout. C'est parti. Ok. D'accord, j'en envoie juste deux là. Essayer de faire le tour. Oh merde, 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 merde. Oh putain, il m'a pas vu. Oh putain, j'ai eu chaud au cul. Il a failli me voir lui. Tu vas décéder. Blah! Ça dégage. Par contre, merci pour la grenade. Oh, lui, il a fait me voir aussi. Putain, j'ai eu chaud au cul. Je serais bien tenté d'aller le voir, mais vu que. Voilà. Allez, tente ta tête. Merci. T'es là, quoi, à droite. Hop là, ça dégage.
qu'il y en a un là-bas là. Hop. On va rester caché. La zone est vachement grande par contre. Ça pourrait faire une map presque. Hop. Personne ne... Voilà. Ah, on peut projeter la... Cool. Y'a mon poteau. On va attendre qu'il arrive vers moi là. Allez, remets tes fesses là. Bon écoute gros, si tu veux pas, je vais t'y forcer. Voilà. Il est à gauche le rad, il arrive. Oh putain. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Cool, je ne suis pas là. Oh, j'ai un silencieux. Attendez. Oh putain, trop bien. Doigt de fée. Ah, je vais garder ça. Ah, il est là-bas. Ok. Il y en a deux. Il y en a là-bas. Personne au-dessus là. Je vais quand même vérifier. Les deux amoureux là, ils sont. Merde, c'est parti où? Merde. Ah le bâtard, je l'ai pas vu. Ok. Eh merde. Putain, il fallait qu'il soit là. Putain. Oh merde. Ah bonsoir. Oh putain. Descends de partout ce bâtard. Voilà. Oh, tais-toi, toi. Ok. Cache-cache. Hop là. C'est fini? Je crois que ça y est. C'est du beau travail. Bien joué. Merci pour ton aide. Allez, on continue. Oh. Je vais ouvrir la porte. Tu vas chercher la voiture? Bien sûr. Merci. Putain, fait chier parce qu'il y a un connard là, celui qui m'a repéré là, foiré. Le silencieux est très utile par contre, c'est cool ça. Pourquoi il l'a pas mis dans U4, c'était ça cool. Je passe moi en bas. Attention,
T'inquiète. Et hop là. Je reprends la place. Tout à fait capable de conduire, tu sais. J'en doute pas, ma belle. Mais je préfère que ce soit moi. Chapitre 4, les gars en russanto. Occidentaux. Vrai, on a un avantage, pas comme ton copain Asav. Les trois symboles. Regardons la carte. Ok, voyons. On est juste là. Ok. Je vais marquer au fur et à mesure. D'accord. Et là, je peux changer en prenant le téléphone. Donc, on va regarder la carte de quand on est ici. Du coup, on va aller voir la tour. Ok, donc on va passer à droite parce qu'il y a, car il y a un pont. Ok, on va passer à droite alors. C'est parti. Regarde cette tour. Je parie qu'on a une super vue de là-haut. Peut-être. Oh, il y a plusieurs tours. Regardez, il y en a une là. Et une là-bas. T'es pourquoi ils ont pas mis une scène de carte dans la Madagascar là aussi? Tain. Ok. Une petite dame, vous avez. Vous avez. Comment dire? Tu devrais. On n'aura pas deux fois l'effet de surprise. Ils devaient pas attendre beaucoup de toi. Compliment? Parce que. Ça ressemblait à un compliment. Ces hommes sont des idiots, mais Asav est... Il faut juste qu'on reste le plus loin possible de lui. Je dis que, quand même, Naughty Dog, je sais pas ce que vous êtes arrivé, vous êtes obligé de faire un standalone pour rajouter des fonctionnalités sur notre jeu, quoi. C'est facile. Trouve des hommes faibles et leur offre le pouvoir. Il leur donne un but. Un but? Ça ressemble plus à des conneries pour moi. Mince, je crois que je me suis trompé de... Comment tu t'es retrouvé avec Asav, en fait? Un but? Je préfère ne pas en parler. Il devait sûrement avoir un faible, pour sûr. Attends, doucement. On a des rebelles juste devant. Oh... Le tout pour le tout! Merde. Oh merde. Tu peux pas t'en tirer! Il y a une tourelle! C'est une blague! Oh! Dégage. Il est mort là, j'espère. Grenade envoyée. La tronche. Ouais, moi aussi. Tiens. Oh, à mon tour maintenant, on va s'amuser un peu là. Au suivant. Voilà. Viens. Et que là-dedans. Oula, deux crochets, ça doit pas être très normal alors. Alors. Plus 90. Une grenade, je veux bien, mais pas 90 par contre. Hop là. Ok. Oh. Je reconnais pas ce truc. C'est pas l'un des trois symboles. Faut pas se déconcentrer. Je dis jamais non à une occasion de se faire un peu de pognon. Mon... Oh, regardez, il y a un truc qui se spécialisait. Et du coup, elle notait quoi? Elle notait où? Attendez. Ah, d'accord, elle notait ici. Ok. Regardez. Mince. Attendez. Bonsoir. Ah! Intéressant. Ça ressemble bien à une sorte de jeton Isala. Ok. C'est pas l'un de nos trois symboles. On pourrait en tirer un bon prix une fois rentré. Ok. Après tout ça, t'as trouvé quelque chose? Une sorte de jeton. Un vieux truc Isala. On en a besoin? Besoin? Non. Envie?
Carrément. Ok. T'as les jetons. Lol. Alors, il y a aussi des jetons à récupérer. Oh putain, oh lolo. Et ce Uncharted est vraiment plus complexe que le 4. Hein. Franchement, ils auraient dû faire le 4 comme ça, limite. Hein. Pas sur un stone alone. Sans déconner. Vous me décevez, Naughty Dog, vous me décevez. Alors, du coup, est-ce qu'ils avaient quelque chose sur les camions? Alors. Rien. Rien non plus. Ok. Je suis en train de me dire. Est-ce qu'il y aurait pas un truc derrière là? Ok. Où on en était? Tu disais quoi à propos d'un sabre? Ouais. Donc, alors? Un sabre devait vraiment avoir un petit faible. N'en parle pas. Mais il était utile à l'époque. Mais... Ouais. Allez, raconte. Je préfère pas. Peut-être qu'après un verre. Même avec tout l'alcool du monde. D'accord, c'est une après je me perds plus dans les eaux. Ok. Et j'ai raté le pont. Bon, c'est pas grave, Ah mais non, je l'ai pas raté, non, c'est juste ce que j'allais prendre tout à l'heure. Parce que la map est beaucoup plus grande. Moi c'est quoi au pire sinon? Traite en live ou alors un épisode hors série, je pense que je le ferai. Mais bon. Mais ça m'intrigue. D'accord, c'est toi l'expert militaire. Quelle est la stratégie d'Assav ici? Il a déployé ses hommes dans l'espoir de nous stopper net. C'est pas ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que t'aurais fait à la place d'Assav? À part me raser la barbe? Attendre. Je laissais faire tout le sale boulot et débarquer au dernier moment pour prendre la défense. C'est sournois. Désolé, j'ai un truc à vérifier. Bizarre, c'est une zone où on pourrait se battre là. Et y a personne. Très bien. Oh, des socles. Ah. Encore un. Encore un petit signe là encore. Ok, on est proche de la tour. On est juste à côté en fait. D'accord, ok. C'est quoi ça? On va voir à quoi ça sert. Oh, des fontaines. C'est quoi ce bruit? Pourquoi des fontaines? Je comprends pas. Attendez, on va aller voir ça de plus près. Ça s'est arrêté. Oula! Ok, je crois que c'est un truc. Peut-être si je désactive toutes. Hop. Ouais, on entend un mécanisme qui essaie de se. Pour le plaisir des yeux. On dirait, ouais, on entend une sorte de mécanisme qui essaie de s'actionner. Ok. Le deuxième. Ok. Lucas, merde, j'ai pas été assez rapide. Hop, c'est timé. Merde. Ah, c'est timé. Bon, bah, excusez-moi. J'étais pas au courant. Ok, donc, c'est parti. Se dépêcher, ok. Allez, go, allez, Chloé, allez, go. T'as pas que ça à faire. Allez, go. Hop. Hop. Allez, ok. Hop, allez. Ok. Allez, accroche-toi, dépêche-toi. Hop là. J'entends encore ce bruit. Il y a une autre fontaine? Ah, retour à la case départ. Ok. Vite. Merci.
Ok. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le cacher ici. D'accord. Une deuxième énigme résolue. Ok. Enfin deuxième. La première, j'ai juste pété un mur. Donc voilà. Vous imaginez tout ce que j'ai à chercher, n'empêche, c'est un truc de malade. Bon, on va s'occuper cette tour. Sur la chute. Allez. Du coup, comment on grimpe là-haut? Par là, peut-être. Ouais, par là. Allez. Hop. Hop. Mais bien sûr, j'ai pas tout exploré parce que j'ai vu ça qui ça m'intriguait, donc je suis allé voir. Mais si on va bien près, il y a des escaliers ici, regardez. Ouais, il y a beaucoup de choses à regarder. Oh, tu peux le ranger, Chloé, c'est bon. Tout en douceur. Ouais. Pour l'instant, ça va. Ouais. J'ai pas les bras qui me font mal, mais ça va. Aïe aïe aïe, en mon avis je pense que Naughty Dog pour ce standalone a fait plus du Tomb Raider que du Uncharted. Ben, Tomb Raider parce que c'est Chloé quoi, c'est pas Nate. Dans tous les cas, voilà quoi. Tout ce que je sais c'est qu'on a beaucoup plus d'énigmes, plus dur à résoudre que sur les anciens Uncharted. Bien que sur U4 ça allait, elles étaient simples, ça allait. Ouh la vache. T'inquiète. J'en ai vu des merdes vertes et des pas mûres, t'inquiète pas. Hop. Oula. Hop. Hop. Et voilà, on y est. Ok. D'accord. D'accord. Donc ça c'est... merde, comment il s'appelle? Ganesh. Le gars qui a défoncé Ganesh et son père Shiva, enfin la hache, son cadeau quoi. Ok. Du coup, on va commencer par ça alors. Le trident de Ganesh. Voyons un peu ça. Dirigé droit vers ces ruines Oysala. C'est une vieille forteresse, juste au-dessus des chutes d'eau. Je vais le noter avec un trident. D'accord. Du coup, on va devoir se rendre là-bas. Attendez, parce qu'on y voit un peu rien là. D'accord, le trident est en bas à droite. En gros, c'est là où on était tout à l'heure. Du coup, l'arc, j'imagine. Et derrière la porte numéro 2. Je me demande ce que c'est. Je note pour plus tard. Je vais mettre à la lumière pour qu'on voie bien. Pas trop non plus. Ok, là, c'est un point d'interrogation. Ok, c'est en haut à droite. Ok. Et pour la hache. Voyons ce que cache la porte de la hache. Encore une vieille forteresse. Au creux de la montagne. Je vais l'indiquer sur la carte. Avec une hache. Ok. Et il n'y a rien à droite. À gauche, excusez-moi, je suis con. Là, je ne peux pas actionner. Là non plus. Ah, si, voilà. Je me disais, il était où l'arc? Et la dernière, la porte de l'arc. Et encore une vieille forteresse. D'accord. En plein milieu du lac. Je noterai un arc sur la carte à cet endroit. D'accord. Et j'imagine que dans chaque secteur, on va trouver des petits babioles comme j'ai trouvé là tout à l'heure. Les sortes de jetons. Ok. Et un truc qui s'est activé. Et toutes les portes sont ouvertes en plus. Donc, ouais. Ok. S'il y avait un bouton d'appel. Lol. Ouais, ça t'aurait évité de faire tous ces efforts. Ok. C'était sympa. Ok, maintenant on a trois itinéraires. L'arc, la hache, Ganesh et un endroit qu'on connaît pas. Alors avant d'y aller, de choisir une itinérance, où est la voiture? Ok, elle est là.
Je vais me rapprocher un peu plus des escaliers qu'on avait vu tout à l'heure en grimpant pour voir s'il n'y a pas un truc à chercher. Alors, ça valait le coup de grimper ? Ouais. Et comment ? J'ai trouvé les trois symboles. Vraiment ? Ouais. Chacun était dirigé vers une forteresse différente. C'est sûrement là que... Juste avant. J'ai trouvé un autre jeton. Ah, quelque chose à voir avec la défense ? C'est sournois, je crois pas. Pas de soucis, à condition qu'on aille voir les forts que t'as marqués dans la tour. Heureusement que t'es dans mon camp. Ouais, heureusement. Je suis un peu surprise qu'Assav ne fasse pas la même chose. Ton expert en sait peut-être plus qu'on ne le pense. C'est vrai. Raison de plus pour pas traîner dans ce cas. Ah, un trésor, je me disais aussi. Juste une seconde. Je peux attendre. Voilà. Bon, j'en ai raté plein. Boîte à épices en bois de rose. Ok. Hop là. On y va. Enfin, je me dirige là parce que ça m'intrigue. Il n'y a pas d'autre passage. Donc. Ah, un autre jeton, peut-être, on ne sait pas. Attention, verdict. J'en ai pas pour longtemps. Bien reçu. Alors, dis-moi tout. Est-ce qu'on a du nouveau ? Oh oh ! Une corde. On peut mettre la corde ici. Là, il n'y a rien. Oh, ça prend mal là. Ok. Pourquoi il faut pas un petit joueur comme ça, attendez. Ah, voilà. Il y en a pas mal dans le coin. Ouais, ouais, on dirait bien. Du coup, là, elle a noté où ? Ici. Ok. Alors, du coup, maintenant, c'est trouver le jeton. Alors, déjà, on voit ça. Il n'y a pas un autre mécanisme que je peux activer quelque part. Ah, peut-être là-bas. Dommage que Nadine ne peut pas bouger la voiture là, parce que ça serait assez chiant quand même de faire un aller-retour à chaque fois. Ok. Allons-y. On va dire que ce passage là, on va dire c'est un mini open world, entre guillemets. Mais après, ça a été un peu Uncharted 4, mais le problème c'est que c'était un peu auto-guidé quoi. Alors. Reste assise. Ok, vas-y. Ah non, c'est un nouveau truc. Et là, c'est un cobra. D'accord, donc du coup, j'ai deux jetons différents. J'allais voir celui-là. Comment ça se passe. Alors, c'est parti. Hop, 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 hop. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout. Ah, j'aurais dû grimper de l'autre côté. Comment on l'a fait sonner? C'est fort. L'une des barres s'est retirée quand la cloche a sonné. Ah, faut faire ding dong alors. Non, pas du tout. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut faire sonner toutes les autres cloches. Alors attendez. Une autre. Et si on veut être discret, on est servi, hein. Bingo. Viens là, mon jeton. Un nouveau jeton pour ma collection. Ouais. Ok. Du coup, on a eu le coq, la vache et le cobra. Et là, on avait l'éléphant de tout à l'heure. Ouais. T'as trouvé quelque chose d'utile ? J'ai trouvé un autre jeton. Je me demande à quoi ça va bien servir ces jetons, mais bon. On va le récupérer. Du coup. Aïe. Du coup, on va essayer de trouver. Trouver ce jeton là. Vas-y. Ce jeton là. Et si je le trouve pas, bah tant pis, on ira vers une tour et on s'arrêtera là. Parce que je pense que ça fait une bonne vidéo ça. Une bonne découverte. Ok, donc du coup on récapitule. On a un truc pour actionner ici. Enfin, c'est un moment pour caler le grappin.
Ici, j'ai rien. Est-ce que... Attendez, je vais monter là-haut. Hop, hop, hop. Et ici, j'ai rien du tout. À moins que je peux... Ah! Il faut un plus gros levier pour déplacer ça. Un plus gros levier. Ah, peut-être la voiture. Attendez. Est-ce que par hasard... attendez, je vais le... On peut y aller. C'est me mettre. Voilà. Hop. Attends ici. Ouais, d'accord, je t'attends. Pourquoi je peux pas activer le levier? C'est réglé. Pourquoi je peux pas l'activer? Je reviens tout de suite. Bien sûr. D'accord, donc du coup je suis un peu bloqué pour celui-là. Ah! Une statue. J'avais pas fait gaffe à ça. Y'a pas un truc caché ou quoi que ce soit? Non. J'en ai pas l'impression. Il faudrait un plus gros levier. Donc, il faudrait une grue. Ouais, on va chercher une grue quoi. Oh putain, faut trouver une solution. Trouver une solution. Qui est bien coincé. Comment je pourrais le déverrouiller? J'ai pas... Attends, est-ce que je peux pas enrouler ma corde sur un arbre? Ou alors la voiture, limite. Ou alors il faut attendre plus loin dans l'histoire peut-être, je sais pas. Bon bah écoutez. J'ai pas cherché plus longtemps. Bon du coup je reviendrai. Je reviendrai un de ces quatre, mais là pas maintenant. Donc du coup maintenant on retourne dans la voiture. On va se diriger vers une. Une des tours la plus proche. On est vers le point d'interrogation et vers la hache. Bon on va aller derrière. On va y aller de ce pas. Du coup c'est parti. Alors, si je vais vers la mini-grotte là-bas, est-ce que c'est la bonne direction? Non, c'est la mauvaise. C'est pas par là. C'est par là-bas. Il y a encore des ruines là-bas. Alors voyons ça de plus près. Tu viens? Bien reçu. Ah elle vient là cette fois? Ok. Un trésor, cool. Pourtant on est d'accord qu'on est... Ah si on est à côté, c'est vrai. Bon ben, alors c'est tout à fait normal qu'elle vienne avec moi. Ok. Bah si j'aurais juste rapproché la voiture. Ok. On va grimper. Hop. 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 Et rien du tout ici non plus. Du coup, on va voir la caisse qu'elle a dedans. Hop là. Alors, qu'y a-t-il? Encore deux verrous. Oula. Ok. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Un trésor et un crivosque. Un crivosque en arme lourde? Ah bon? Et dire que dans le jeu, c'est une arme normale. Ok. Du coup, allons-y. C'est quoi cet endroit? Bien vu. Oh. C'est des singes? Trésor, par ici. Regarde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des singes. T'as l'air tout excité. J'aime bien les singes. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette structure. Ouais. Ouais, des singes. À part les singes.
Oh, il y a deux qui brillent. Moi non plus. Oh, c'est trop beau. Si je tombe dans l'eau, je meurs. Je pense que oui. Pas de moyen de traverser. Mais j'ai envie de les voir, moi, les macaques. Ah, attendez. Ah. Pas un peu par là. Y'a pas moyen de passer par là? Attendez. Je veux la carte. Non, y'a pas de moyen de passer par là. Bon, on pourrait passer. Bon. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Oh, on dirait une carte. Voyons voir. C'est juste moi ou ça ressemble à une carte? C'est une carte. On dirait notre carte. Eh bien, je vais le marquer. D'accord. Attendez une seconde. Et j'ai compris. Les jetons qu'on a ramassés, on va devoir les incruster dans cette carte. Vous paraissez combien? Juste la taille d'un jeton. Je tente ma chance. J'en étais sûr. Les emplacements sur la carte sont remplis. D'accord. Il se passera quoi si on les trouve tous? Très bonne question. Wow. Ça a dû appartenir à l'une de leurs reines. D'accord, on retrouve les jetons et on peut avoir le collier. Ok, super. Ok, d'accord, mais non, c'est pourquoi les jetons étaient là. Ah tiens, on pourra choper un autre jeton. Ok, de l'hibou. J'ai plein de petits copains qui t'attendent, tu sais. Ouais. Ok, non, mais non, c'est pourquoi. Bah c'est cool, bah, voilà. On va s'arrêter ici, du coup. Les symboles. Ok. Du coup, ça veut dire que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5 à trouver. Et j'en ai trouvé 5 aussi. Donc, en gros, il y en a 10. Les personnages doivent être les anciens rois Oysala. C'était 11 en tout. Ah merde. Il y en a 11. Du coup, j'en ai trouvé 1. Attendez, j'ai vu que c'est sur la carte. 1, 2, 3, 4. Ok. Il m'en reste encore 6. Non, pas 6, 7. Il m'en reste 7 à trouver. Ok. Bon, mais du coup, voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je crois pas, mais. Donc, du coup, on va se. Voilà. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Du coup, on va s'arrêter là avec les macaques. Donc, du coup, j'espère que cet épisode 2 vous aura plu. C'est parce que ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vos amis, ça serait vraiment plaisir. Et un partage aussi serait super. À vos amis, vos parents, à qui vous voulez. Et restez comme vous êtes super sur les gars, tout le monde.